objectif important, c'est celui de permettre aux professionnels de se rencontrer sur ce salon, de débattre des problèmes du secteur, de chercher des solutions à leurs problèmes à travers de nouvelles applications technologiques. Et là aussi, je crois qu'il y avait pas mal de nouveautés sur ce salon, aussi bien au niveau des équipements de pêche, des propositions de bateaux modernes que des instruments électroniques de détection de poissons. Pour ce qui est de la valorisation, nous avons pu voir sur le salon pas mal de nouveaux produits élaborés de deuxième, troisième génération. Le salon a aussi permis aux visiteurs et à des conférenciers de débattre autour du thème de la mer à venir de l'homme et à travers ce thème des projections d'avenir ont été exposées sur l'avenir de l'humanité à travers des villes marines, à travers l'exploitation des mers pour de nouvelles énergies et pour des applications pharmaceutiques et autres. Donc la mer recèle énormément de richesses pour l'avenir. La Côte d'Ivoire est un pays à l'honneur parce que l'actualité politique l'a décidé ainsi. Sa Majesté a initié lors de sa visite en Afrique un nouveau tournant dans la coopération marocaine, la coopération sud-sud. On arrête de travailler qu'avec le Nord et de chercher les solutions avec le Nord. Donc on est dans une logique de partenariat avec le Sud. Et l'actualité a fait que la Côte d'Ivoire est actuellement très très proche du Maroc avec des possibilités d'échanges économiques, de partenariats. Effectivement, on parle de la sardine comme étant le poisson du poivre. Mais les quantités de sardines, effectivement, sont assez importantes pour pouvoir nourrir la population marocaine. Pour ce qui est du prix de la sardine est une des denrées qui a le moins augmenté au niveau du prix, au niveau des indices de prix, sur les 30-40 dernières années. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, le kilo de sardine au port faisait 1 dirham, quand la tomate faisait 2 dirhams. Quand l'oignon faisait 2 dirhams, quand la baguette de pain faisait 25 centimes, quand le Coca-Cola faisait 60 centimes. Alors regardez depuis quel est le coût du Coca-Cola, combien de centaines de pourcents il a augmenté, le prix du pain, comment il a augmenté. Et vous allez trouver que le prix de la sardine a doublé simplement, alors que les autres c'est 5 fois, 6 fois, et même beaucoup plus pour la tomate qui est passée de 10 centimes à 4 dirhams, voire plus. Donc la sardine est contrairement à ce qu'on croit, est une des denrées alimentaires qui apporte énormément de choses à la nutrition humaine, qui n'a pas augmenté comme les autres produits de la vie. Mais toujours est-il que le débarquement au port est un débarquement où, lors des débarquements, on trouve la sardine à 2 dirhams, 2 dirhams 40, 2 dirhams 50, et qu'effectivement on la jette. Donc c'est les intermédiaires, c'est les circuits de commercialisation qui ne sont pas organisés pour permettre aux Marocains d'accéder à la sardine à son prix réel. J'espère que non. Bon, ça, ces contrats, ils sont inscrits déjà dans une durée. C'est des contrats où, semble-t-il, on trouve notre part dans des relations de partenariat, de recherche, un appui financier. Mais moi, personnellement, je crois que on ne devrait pas avoir de partenariat pour l'exploitation des ressources, puisque les Marocains devraient eux-mêmes exploiter leurs ressources. Pas trop de difficultés. Les difficultés qu'on a rencontrées étaient de l'ordre de petites choses.
On a bien fait les grandes choses et il y a quelques petites choses qui nous ont échappé.